Les 92 résolutions deviendront le document de base des débats parlementaires. On y dénonce, entre autres, la corruption des hauts fonctionnaires, la gestion des terres publiques qui favorise l'enrichissement d'un petit groupe d'anglophones et surtout, les liens trop étroits qui existent entre le conseil législatif et le gouverneur. On critique cette proximité entre ce dernier et ce qu'on appelle la clique du château. La plupart des familles de la clique sont des marchands britanniques, mais quelques-uns sont aussi des seigneurs canadiens-français. Dans les années 1770, on vit par ricochet la guerre d'indépendance américaine. Évidemment, on n'est pas impliqué dans le débat, mais le fait qu'on est sujet britannique, évidemment, ça nous touche de près, d'autant plus que les États-Unis sont pas loin. Les gens vont réaliser rapidement, même après 1791, quand le gouvernement va permettre l'élection des députés, que les députés n'ont pas véritablement de pouvoir et que c'est Londres qui gère tout. Lorsque l'élite politique va commencer à demander à Londres de donner un peu plus de lest, de donner plus d'autonomie politique et économique forcément au Canada, bien, on va avoir une fin de non-recevoir. Et c'est tout ce mouvement-là qu'il faut mêler dans les années 1830 à une crise économique importante qui fait en sorte que les gens au Québec, comme au Canada, donc en Ontario, vont tous vouloir se rebeller contre cette espèce de mainmise et cette autorité que Londres avait sur les colonies du Canada. L'historien, professeur et spécialiste du 19e siècle québécois, Gilles Laporte, nous brosse un portrait de la région comme telle. Du sud au nord, le comté de Terrebonne présente une grande diversité de paysages, jalonnés de vieilles paroisses fondées dès la Nouvelle-France. L'île Jésus est riche, bien pourvue en voies de transport et essentiellement francophone. Au nord, le bourg de Terrebonne est particulièrement dynamique avec ses moulins et ses fabriques de potasse établies par les seigneurs Simon McTavish, puis Joseph Masson. Finalement, l'arrière-pays est encore largement boisé et sous-développé. Les farouches défricheurs de Sainte-Anne-des-Plaines et de Saint-Jérôme cohabitant avec environ un millier d'Écossais enclavés autour de New Glasgow, Sainte-Sophie. Terrebonne ouvrit le bal des assemblées d'appui aux 92 résolutions le 13 mars 1834. Le 10 avril, c'est au tour des paroissiens de Sainte-Thérèse de s'assembler. De 250 à 300 personnes se présentent pour appuyer les 92 résolutions. Les cantons du Nord ne sont pas en reste. Le 30 avril, une assemblée a lieu à la salle de l'école de New Glasgow. Selon la Minerve, il s'agirait encore là d'une réunion loyale détournée par les patriotes. Les élections générales eurent lieu du 11 octobre au 22 novembre 1834. Le Parti patriote se dote pour la première fois d'un programme politique complet sous la forme des 92 résolutions. Le document est rédigé vers la fin de 1833 par Louis-Joseph Papineau et Augustin Norbert Morin, député de Bellechasse. Il est déposé en chambre le 7 janvier 1834 et il est adopté en troisième lecture le 22 février suivant par 56 voix contre 23. Deux grands objectifs sont visés avec la publication de ce fameux texte législatif. Canaliser le mécontentement populaire et constituer un bloc de revendications homogène et indissociable. Les candidats de Terrebonne sont Louis-Hippolyte Lafontaine, vedette montante du Parti patriote, à la recherche d'un deuxième mandat consécutif, et un cultivateur de Sainte-Anne-des-Plaines, Séraphin Bouc, qui a été très actif dans les assemblées politiques. Dans Deux Montagnes,
les candidats sont le notaire Jean-Joseph Giroir et le marchand anglophone William Henry Scott, qui, tous deux, sollicitent un renouvellement de mandat. Ils auront pour adversaire un homme d'affaires, James Brown, le propriétaire du moulin à papier de Saint-André, et le capitaine Maximilien Globenski, un militaire de carrière et un loyaliste convaincu. L'élection de 1834 sera violente et connaîtra un dénouement inédit. Parce que dans les années 1834, un peu avant la rébellion des Patriotes de 37-38, il y a des élections qui se tiennent, dont une dans le comté de Deux-Montagnes. Et la façon dont les pôles se tenaient à l'époque, c'est que l'endroit de vote, le bureau de vote, se déplaçait. Alors, on avait commencé l'élection de Deux-Montagnes à Saint-André, qui faisait partie du comté de Deux-Montagnes, Saint-André, si vous préférez. Donc, les catholiques qui allaient voter là, c'est-à-dire les Irlandais surtout et les Québécois francophones, ils avaient de la misère à se rendre au pôle parce que les orangistes, c'est-à-dire les Irlandais protestants et les Écossais du canton de Gore et de Grenville, étaient descendus avec des bâtons pour empêcher carrément les francophones d'aller voter, les Irlandais. Au point où, quand ça s'est su à Saint-Colomban, qu'il y avait des matamores anglo-protestants, bien, les Irlandais se sont organisés et ont été rejoints les francophones de Saint-Scolastique avec des bâtons pour voir à ce que les Irlandais et tout le monde puissent aller voter librement. Alors là, il y a eu des petites échauffourées, mais pas de bagarre générale. Il y a eu des menaces de mort à l'encontre de certains Irlandais de Saint-Colomban. Les Patriotes des Deux-Montagnes feront à leur tour appel à des tactiques d'intimidation. Leurs propres boulets s'emparèrent du bureau de scrutin de Saint-Eustache pour permettre aux électeurs, gagnés à la cause des Patriotes, d'exercer leur droit de vote. Les candidats Patriotes gagneront non sans peine l'élection, mais les partisans de Brown et de Globenski auront encore en mémoire cette défaite quand viendront les troubles de 1837 à Saint-Eustache. Le Parti Patriote remporte 90% des suffrages. Voici donc les résultats de l'élection. Sur les 88 députés élus au Bas-Canada, 77 vont être d'allégeance papinoïste, donc patriote. C'est l'élection probablement la plus partisane vraiment de l'histoire du Québec. À ce moment-là, le gouverneur trouve que c'en est trop, puis dès cette année-là, 1834, les 92 résolutions, l'élection du Parti patriote de Louis-Joseph Papineau, à ce moment-là, on peut juste se diriger vers une rébellion beaucoup plus ouverte. Serge Lorrain nous révèle que l'année 1834 n'est pas que celle des 92 résolutions. Cette année est aussi celle de la consolidation de l'organisation patriote. C'est ainsi qu'en 1834, le Parti patriote renforce le réseau des comités paroissiaux et régionaux qu'il avait mis sur pied à compter de 1827, en regroupant ceux-ci sous la seule direction du Comité central et permanent de Montréal. Lors de la réunion de mars 1834 à Terrebonne, on avait formé un comité de liaison de 75 membres. Plus de 65% des membres provenaient des Basses-Laurentides. Et les Irlandais de Saint-Colomban, par la suite, en 1835, créent un comité réformiste, c'est-à-dire un comité patriote, à Saint-Colomban même, avec une structure administrative comportant un secrétaire, un président, un trésorier et des membres réguliers. Donc, on est quand même bien organisé. C'est un comité réformiste qui est aligné sur les autres comités réformistes. Et les Irlandais vont participer aux grandes assemblées dans le comté de Deux-Montagnes, entre autres
à Saint-Scolastique, par exemple, où il seconde des motions et anime des réunions. Le 21 mars s'ouvre la 15e législature du Bas-Canada. C'est aussi la construction du chemin de fer Champlain et Saint-Laurent, reliant la Prairie à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est le premier chemin de fer au Canada. Décès du seigneur Eustache Nicolas Lambert-Dumont. Archibald Akeson, comte de Gosford, devient le gouverneur en chef de l'Amérique du Nord britannique et président d'une commission d'enquête sur les problèmes politiques du Bas-Canada. En 1835, Archibald Acheson, deuxième comte de Gosford, devient le gouverneur en chef de l'Amérique du Nord britannique avec mission de solutionner les problèmes politiques du Bas-Canada menés par Louis-Joseph Papineau. Cependant, le roi Guillaume IV a donné à Gosford des instructions précises, lui interdisant même de considérer de rendre électif le conseil législatif, ce qui était une des principales demandes des réformistes. Quand cet empêchement est connu au début de 1836, il provoque une radicalisation de la Chambre d'Assemblée législative qui refuse de voter les crédits financiers. Par contre, le gouverneur Gosford promulgua la plupart des projets de loi présentés par l'Assemblée et il officialisa le diocèse de Montréal, bien que celui-ci eût été érigé quelques années auparavant. Construction du pont La Chapelle reliant l'île de Montréal à l'île Jésus, aujourd'hui Ville Laval. Mise en marche également du premier chemin de fer entre La Prairie et Saint-Jean. La même année, c'est l'inauguration de la prison de Montréal au pied du courant. En mars, fondation du Doric Club, un groupe politique radical s'opposant aux Patriotes. Enfin, le Conseil législatif refuse les crédits pour les écoles de Saint-Dié. La suppression de l'école publique laïque est une des causes des rébellions. L'enquête du gouverneur Gosford fait des recommandations à Londres, mais ces derniers n'en tiennent pas compte. Les Patriotes adoptèrent une douzaine de motions promouvant le gouvernement responsable en invitant au boycott des produits britanniques et à la création de manufactures nationales afin d'aider les entrepreneurs du pays. Cette stratégie est similaire à celle employée par les rebelles américains avant l'indépendance pour contrer l'Angleterre. À noter que le Mahatma Gandhi eut recours à son tour à cette stratégie en 1921 en Inde. Vous savez, c'est quoi un boycott? Donc, c'est en quelque sorte de refuser d'acheter des produits venant de la mère patrie britannique pour en quelque sorte que l'Angleterre n'ait pas le fruit des taxes perçues. Okay? On va privilégier donc de ne plus acheter des produits anglais pour finalement faire davantage de contrebande avec les voisins du sud des États-Unis. Donc, acheter plus de produits américains. Puis, en contrepartie aussi, essayer de plus subvenir à nos propres besoins. Parce qu'à ce moment-là, le Bas-Canada, on pouvait faire bien des affaires aussi. Tu sais, exemple, manger des produits d'érable, vous autres? Mm-hmm. Vous en mettez sur vos crêpes du sirop d'érable? Ben, on produisait davantage de sirop d'érable. Au lieu d'acheter du sucre, on allait davantage favoriser la consommation des produits de chez nous au lieu d'acheter des alcools venant, je sais pas moi, d'Amérique centrale ou d'Angleterre, ben on allait faire notre propre cidre par exemple, tu sais, au lieu d'acheter des tissus fins
provenant d'Angleterre, bien, on allait nous-mêmes tisser, les femmes ici allaient plus tisser les étoffes du pays, par exemple. Ça, c'est pas banal, ça. Donc, on préconisait beaucoup ça. C'était beaucoup dans le discours de Louis-Joseph Papineau à l'été puis à l'automne 1837. Le diocèse, en tant que structure administrative, jouera un rôle prépondérant dans l'histoire sociale et culturelle des régions du Québec jusqu'au milieu des années 1960. Sous le régime français, le diocèse de Québec couvrait l'ensemble de l'Amérique du Nord. Depuis la conquête, l'Église catholique avait été gênée, voire paralysée dans son développement, malgré l'article du traité de 1763 qui permettait l'exercice de la religion catholique. La création d'un nouveau diocèse à Montréal fut évoquée dès 1783, mais se heurta à diverses oppositions, notamment celles des Sulpiciens et des autorités coloniales au cours des décennies qui suivirent. Le 13 mai 1836, Grégoire XVI signa la bulle d'érection du nouveau diocèse et le bref proposant Jean-Jacques Lartigues au siège épiscopal de Montréal. Devant le fait accompli, Londres, qui n'avait pas été consulté, agréa tout de même le nouvel évêque. Mgr Lartigue, bien que membre des messieurs de Saint-Sulpice, passa une partie de sa vie épiscopale à affronter la hargne, la jalousie et même le mépris de ses confrères, les Sulpiciens de Montréal. Le territoire était immense, un carré découpé dans le sud du Québec, traversé par le Saint-Laurent. Une population de près de 300 000 fidèles y vivait, répartie dans une centaine de paroisses et missions. Il fallut attendre 11 ans pour que naisse un autre diocèse. Pressé par le développement démographique, Ottawa fut la première région à obtenir son évêché en 1847. Ce diocèse s'étendait des berges de l'Outaouais jusqu'à la région de Mont-Laurier. Puis s'ajoutèrent, un peu plus tard, en 1852, les diocèses de Trois-Rivières et Saint-Hyacinthe. Monseigneur Lartigue. Oui, oui, ça c'est l'évêque. L'évêque fraîchement nommé à Montréal. Faut dire qu'il était déjà auxiliaire de l'évêque de Québec pour la région de Montréal. Fait qu'il connaissait déjà bien le coin. Il connaissait bien le coin, mais il était bien strict aussi. Puis même un peu pas mal chiant, tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'il, en plus, en plus, il était le cousin germain de Papineau. Tout ça pour vous dire, c'est qu'il avait promis allégeance à sa majesté le roi d'Angleterre. Mais il avait pas le choix, parce que Londres avait bel et bien dit à lui par son supérieur, Mgr Bourget, que la religion catholique était permise, mais qu'il tolérait rien et on ne pouvait pas dépasser les lignes. Fait que Mgr Lartigue, il a vraiment pris cette promesse au sérieux, puis il a tout fait pour réprimer la grogne du peuple. Mgr Lartigue, il connaissait bien le curé Paquin, le curé de Saint-Eustache, oui, oui, oui. C'est lui qui l'avait nommé là. Il était plus ou moins dans ses bonnes grâces, parce qu'il trouvait que le curé Paquin, c'était une tête forte. Puis aussi, il était proche de certains patrons. Parmi les curés de la région qui étaient sous sa gouverne, il y avait le curé de Charme à Saint-Eustache. Lui, il venait d'ouvrir le séminaire, puis il était bien trop occupé à se battre avec les commerçants écossais pour prendre des positions politiques. Il était dans les bonnes grâces de l'époque. Il y avait aussi le curé Isidore Poirier à Saint-Anne-des-Plaines. Lui, là, c'est lui qui disait la messe à la petite chapelle du village de la chapelle. Lui, il haïssait les patriotes pauvres. Mais c'est le curé Étienne Blythe qui l'a remplacé en 1837. C'est le curé Blythe qui a fait construire la première église à Saint-Jérôme. Il était d'origine irlandaise et il s'occupait aussi de la paroisse de Saint-Colombard. Son frère, William Blythe, un patriote actif.
Mais on peut pas dire que le curé manifestait une quelconque sympathie envers ses paroissiens rebelles. Il était très discret. Parmi les curés dissidents, ben, il y avait le curé de Saint-Benoît, il y a le curé Étienne Chartier. Ben oui, il était surnommé le curé des Patriotes. Je sais pas ben pourquoi, là, mais il s'est jamais ben entendu avec lui. Puis il y a le curé de Sainte-Rose, là, François Magloire Turcotte. Lui, il a écopé de 4 mois de prison. Mais il y a toujours aussi l'abbé Nau, là, qui s'est attiré les foudres de Monseigneur Lartigue, là, à cause de ses prises de position. Puis, j'oubliais, il y a aussi le curé Poirier, là, de Terrebonne, puis le curé Bonnet de Saint-Scolastique. Oui, Saint-Sco. Eux autres, ils faisaient pas trop de vagues, là. Ils écoutaient bien les instructions qu'on leur donnait. Ben, en tout cas, et tout ça pour te dire que tout ce beau monde-là, ils dirigeaient le soir, là. Mais ils interprétaient les directives du nouvel évêque à leur façon. Le roi d'Angleterre, Guillaume IV, qui accéda au trône à l'âge de 64 ans, n'a laissé à son décès aucun enfant. C'est sa nièce Victoria qui lui succède le 20 juin 1837. C'est le début d'un très long règne. Dès 1834, à Saint-Eustache, le docteur Chénier fait la promotion des 92 résolutions. Mais c'est surtout à l'occasion d'une réunion des électeurs des Deux Montagnes, tenue à Saint-Benoît le 12 février 1837, qu'il commença à inciter le peuple à appuyer la Chambre d'Assemblée dans son refus de voter pour plus de 6 mois à l'avance les subsides, les fonds servant d'effrayer les dépenses du gouvernement. De leur côté, les bureaucrates ayant à leur tête Joseph D. Lacroix de Sainte-Thérèse et le seigneur de Bellevue tente de minimiser l'importance de ces 92 résolutions. Le 6 mars 1837, Londres répond finalement aux 92 résolutions et fait parvenir à son tour les 10 résolutions Russell. La Chambre d'Assemblée perd donc le droit de voter le budget, soit le seul et unique pouvoir dont elle disposait. Donc à ce moment-là, on peut juste se diriger vers une rébellion beaucoup plus ouverte. Et là, pendant ces années-là, 1835-36, on attend la réponse de Londres, donc de la mère patrie. La réponse de Londres nous arrive finalement au printemps 1837. Et ça nous arrive sous forme de d'autres résolutions. Avez-vous appris ça à l'école? Qu'est-ce qui est arrivé de Londres? Comment ça s'appelait? Les 10 résolutions Russell. Ouais, exactement. Mais c'est qui ça, Russell? Ça me dit quelque chose, Russell. John Russell. Ben, c'est un lord. C'est un lord. Mais il y avait quoi? Pourquoi ça vient de lui? Vous saviez pas, hein? Ben, je vais vous le dire. John Russell, c'était le ministre des Affaires intérieures, on pourrait dire, mais délégué plus spécifiquement aux affaires de la guerre, OK? Donc, c'est par, disons, par sa bouche qui est traduit ce que la Chambre des communes de Londres, Angleterre, la réponse de nos 92 résolutions. Puis c'est quoi la réponse? Qu'est-ce qu'ils nous disent à 92 résolutions qu'on leur envoie? Ils refusent tout. Ils refusent complètement tout. C'est un non catégorique. Non à la résolution 1, non à la résolution 2, 3 et ainsi de suite jusqu'à 92. C'est un non. Puis même à des affaires que vous n'avez même pas pensé, c'est un non. Et puis à partir de ce moment-là, ben, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce que Louis-Joseph Papineau va faire? Savez-vous, ça va être quoi un peu la stratégie du mouvement patriote ici au Bas-Canada suite à la réponse de l'Angleterre à nos demandes? Qu'est-ce qu'on va faire ici? À ce moment-là, on va se rabattre sur le peuple. Parce que la démocratie, il faut que ça vienne du peuple. Ni plus ni moins.
Puis c'est ce que les patriotes, puis pas juste les patriotes ici au Bas-Canada, mais partout dans le monde, à ce moment-là, le 19e siècle, il y a des nationalités qui s'éveillent un peu partout, tu sais. En Amérique du Sud, dans certaines parties d'Europe aussi. On n'est pas tout seul au Bas-Canada ici. Alors, on va se rabattre sur le peuple pour faire légitimer notre propre démocratie, tu sais. Alors, ce qu'on va faire, c'est que les principaux leaders patriotes, que sont les Louis-Joseph Papineau, mais aussi tous les députés jadis élus en 1834 sous la bannière du tricolore patriote, on va organiser des rassemblements, des assemblées politiques. Où ça? Partout dans la province. Partout. Principalement dans le grand district de Montréal, donc la rive nord de Montréal, le grand comté de Vaudreuil, Deux-Montagnes, Terrebonne, l'Île-Jésus, Laval, mais aussi le Grand Montréal, donc l'île de Montréal et la rive sud de Montréal.